Jonah, je crois que j'approche de l'entrée de la mine. Ushu dit que c'est au bord de la montagne. Il a envoyé un rebelle pour l'ouvrir. Merci. J'y suis. J'y suis. Munuratu vient de partir avec Akan. Elle attend que tu ouvres la porte. Janu jantala suktal jetel ukil el kiko. Walkila, shena choaba. Malo bin lak. Sur la bonne voie. Attention. Les Chipalchuko sont en Kuautan. Tak Belaman. Mauka Tuya, Tushkutaki Kuba, le Kushulmakobo. Oksakola le nono. Vale Mishbal Ubelal. Yankoksik Tuyole, Kukulkan Levejo. Minha. Mingma. Tumben yoko el kabil kupata. Patest!
Je crois que c'est là. Voilà la porte que je dois ouvrir. Janin kastikon. Matun kustal ja batskinop. Tout maintenant, je dois ouvrir cette porte. Le mécanisme de la porte doit se trouver en haut de ce mur. J'ai pas assez de place pour ça. Tony Chocol, Calampil. Mon mère! Ushu, fais-le sortir de là!
Jonah. Comment va Edsley? Ça va, ils l'ont libéré. Mais Onura Tu a été capturé. Oh non. Et toi, ça va? Ouais. Je pars chercher la boîte. Je sais pas quand je reviendrai. Fais ce que tu dois faire. Merci. L'œil du serpent, c'est bien lui. On dirait qu'il y a un temple un peu plus bas. J'ai pas assez de place pour ça. 29 novembre 1603. Au dîner, Lopez m'a demandé si je pensais que ces païens pouvaient être dignes de la puissance supposée de l'artefact. Je dois avouer que si les habitants de Paititi pouvaient paraître nobles et industrieux, leur maigreur, leur énergie et leur absence de honte m'évoquaient des bêtes. « Et ceux qui gouvernent nos sociétés ?» m'a-t-il soudain demandé. Lorsque, d'un geste de leurs mains baguées et parfumées, ils nous intiment de leur obéir, est-il normal que nous le fassions, que nous leur obéissions au doigt et à l'œil, qu'ils nous traitent comme des êtres inférieurs, comme des bêtes parfois même? Je n'ai pas su quoi répondre. Ces propos relevaient de l'hérésie et de la trahison, mais d'une certaine manière, je me demandais s'ils n'étaient pas dans le vrai. Qui a bien pu faire ça? C'est pas Maya ni Inca.
assez haut. Mais je peux plonger. Thank you.
Il transportait un objet sacré jusqu'à un grand temple. La boîte d'Ishel. C'était quoi ? J'ai pas assez de place pour ça. Un frottage des parois du cénote. Rien qu'un grand X et le mot « fuit ». Thank you.
1er décembre 1603. Nous avons pénétré dans un cénote non loin de la cité et établi notre campement dans une petite alcôve naturelle. Lopez a passé toute la soirée à regarder les flammes, comme ensorcelé, et n'a pas touché à son dîner. À deux reprises, j'ai tenté d'initier la conversation, mais il ne m'a gratifié que de son silence. Il est obnubilé par cet artefact, et si j'étais superstitieux, je me demanderais si cet objet ne communique pas avec lui. Les soldats aussi sont taciturnes et semblent avoir hâte de se battre. Un de leurs chiens m'a regardé fixement toute la soirée, comme s'il voulait faire de moi son prochain repas.
Thank you.